Hello there. No. King! Oh, darling. Et bordel! Ah, vous l'avez tous dans la tête maintenant. Mais au moins, je serai pas le seul. Bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien le French Grenier, comme d'habitude. Aujourd'hui, une arme qui me fait très plaisir, que vous allez trouver naze, mais je m'en branle, le Remington Elliott Derringer. Son vrai nom, c'est le Remington Elliott Derringer New Repeating Pistol. Mais comme c'est vachement long à dire quand même, on va l'appeler le Remington Elliott, tout bonnement. Tout le monde sait que le Remington Elliott, c'est ça. Alors, vous me direz, et vous auriez raison, le Remington Elliott, en fait, c'est pas tellement celui-là, ce serait plutôt la version d'avant, et le plus connu, c'est pas non plus celui-ci, c'est plutôt le double Derringer Over Under. Bah, il se trouve que non, il n'y a que lui qu'on appelle Remington Elliott réellement. Remontons un petit peu dans le passé, nous sommes en 1860. Chez Remington, on est quand même loin des débuts et de la forge familiale et tout le bazar. Notre cher Eliphalet Remington, car oui, c'est lui qui a fondé Remington. Eliphalet Remington II, pour être exact. Ce brave Eliphalet, c'est difficile à dire, n'est plus tellement le petit armurier de génie, le petit concepteur qui fait des trucs dans son garage, tu vois. C'est devenu un vrai chef d'entreprise, et à partir de là, sa force, comme la plupart des chefs d'entreprise, c'est plus tellement d'être compétent lui-même, c'est plutôt de s'entourer de gens nettement plus compétents que lui. Et parmi ceux-là, en 1860, arrive chez Remington un mec qui s'appelle William H. Elliott, docteur de son état d'ailleurs, originaire de Plattsburgh, dans l'état de New York. Ça ne sert à rien, mais vous le saurez. Ce brave Elliott a dû son génie à un autre. C'est involontaire, mais il le doit quand même à un autre. À monsieur Rollin White, qui a bloqué tout le monde grâce à son brevet. Un brevet, finalement, assez simple, qui consiste à pouvoir charger un barillet de revolver par l'arrière en le forant de part en part. Et ce brevet Rollin White, bah figurez-vous, c'est Smith & Wesson qui l'a. Et il partage pas. À tel point d'ailleurs que Smith & Wesson l'a redéposé 3 fois de suite. Quand on est gentil, on partage! Vilain Smith & Wesson. Et donc, ce brave monsieur Elliott décide que les barillets, c'est tout pourri, et que lui, il va reprendre un concept vieux comme le monde, il va revenir en arrière, il va prendre la poivrière à percussion, voire même d'ailleurs la poivrière à silex, mais on va dire la poivrière à percussion pour faire simple, et il va la forer de part en part. Monsieur, c'est pas un revolver, c'est une poivrière. C'est pas pareil. Toujours 6 canons, mais c'est pas un revolver. Il y a pas de canon dedans. Il y a toujours 6 chambres, mais il n'y a pas de canon dedans. En fait, c'est complètement un revolver. Mais bon, c'est une paperbox. Voilà. Fais pas chier, c'est une paperbox, je te dis. En gros, c'est ce qu'a dû dire Elliott. Hein. Ceci étant, bah, cette combinaison cartouche métallique et poivrière va nettement séduire les amateurs d'armes de poche, car c'est bien d'une arme de poche qu'il s'agit. C'est le Remington Zigzag Derringer. Ça vous rappelle un truc, hein, je suis sûr. Pourtant, rien à voir, et celui-là, il est arrivé avant. Couvert par des brevets Elliott de 1859 et 1860, en gros, ça se présente un peu comme celui-ci, si ce n'est que c'est une vraie poivrière, c'est-à-dire que c'est un faisceau de 6 canons qui tourne. Voilà, avec un percuteur fixe et boum, 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 au fur et à mesure des canons. Un peu comme une Gatling, si tu veux, mais manuel. Plus manuel encore. Sauf que pas de chance, autant le concept séduit, autant bah, ce premier pistolet... Non, il n'aura pas un grand succès. Les études Riken ont identifié 140 exemplaires existants. Donc on peut s'imaginer à peine plus fabriqués. Ça, c'est une petite série, mais une toute petite série. En réalité, étant donné que le mécanisme de la poivrière à cartouche était quand même assez délicat, assez complexe et assez fragile, ce
Remington Zigzag a été remplacé par ce New Repeating Pistol bien avant que tous les zigzags fabriqués aient pu même être assemblés. Il y a de grandes chances, sincèrement, qu'il y en ait qui aient carrément été détruits chez Remington. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ce petit Remington Elliott possède soit 4 coups de 32 RF, soit 5 coups comme celui-ci de 22 short. Alors le truc bien avec ça, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est un canon monté sur charnière à l'avant, qui se verrouille grâce à un petit crochet qui est là, devant, qui est très pratique d'ailleurs à choper. Et derrière, eh bien, se trouve un percuteur rotatif, façon Sharps, un peu. Donc c'est un percuteur rotatif qu'on arme grâce à l'avancée de cette grosse détente anneau, qu'on fait tourner en appuyant au fur et à mesure, et en fin de course, il se libère. À chaque fois, à chaque pression, il tourne d'un cinquième de tour, ou d'un quart de tour sur les 32 RF. Mais en l'occurrence, je préfère nettement celui-ci quand même, 5 canons, c'est trop marrant. C'est rayé, en plus. Dingue, hein. Alors, l'arme est dépourvue d'extracteur, et je me rends compte en le disant qu'en fait, j'ai oublié une baguette. Donc bon, j'extrairai au schlass, mais bon, c'est pas terrible. Théoriquement, il faut improviser ouais, une petite baguette pour dégager les étuis. Cette arme aura, en revanche, elle, un assez grand succès. Parce qu'elle est sûre, elle est pratique, et contrairement au revolver, bah, y a pas de déperdition de gaz, parce qu'il n'y a pas d'entrefer. L'avantage, alors, déjà d'une longueur de canon assez importante, on va dire, pour une arme de poche, c'est qu'en plus, eh ben, alors, on est d'accord que la 22 short, c'est pas non plus un foot de guerre. Mais au moins, toute l'énergie de la 22 short, très grande partie de l'énergie de la 22 short, pas toute, est au moins exploitée grâce eh ben, à l'absence de déperdition de gaz. C'est déjà ça. On va tirer un petit peu. L'immense avantage de ce flingue, c'est que comme c'est 5 cartouches, eh ben, c'est bien. Parce que les boîtes, elles sont rangées par rangées de 5. Ouais, je sais. Ma vie est triste. Bon, allez. Donc on cherche par l'arrière très facilement. Juste on met les cartouches dedans. Clac, clac. Alors c'est pareil, comme pour l'épisode sur Le Man, que je viens de tourner en réalité. Je me suis mis une assez grande cible, cette fois avec une copine fleur qui vous dit bonjour. N'est-ce pas ? Désolé copine fleur, mais voilà, ici on est végétarien, donc on chasse la fleur. Mais bon, ça risque d'être très azou, parce que, alors j'ai jamais tiré avec, tout comme j'avais jamais tiré avec le man, hein, d'ailleurs, mais je sens bien que ça va pas être formidable. Il y a un tout petit guidon qui dépasse, allez, d'un dixième, je dirais, et un cran de hausse fixe. En plus, il faut une certaine force à l'appui, donc c'est pas franchement super gérable. Mais on va essayer. Alors, je vais prendre point visé, point touché dans un premier temps. Ouf. Attendez voir. Si c'est ce que je crois, je suis vachement haut. Oui, oui, c'est ce que je crois. Je suis vachement haut. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou si elle tire vraiment vachement haut. On va essayer de se mettre un peu plus bas en espérant de ne pas être trop bas cette fois. Ah non, elle tire vraiment vachement haut. Là, je dois être vide. Ouais. Alors, c'est super rigolo à tirer, vraiment. On sent pas beaucoup la 22 short. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors oui, c'est une arme qu'on tient à, alors, à un doigt, un quart, pour être exact. Car ce petit busque-là permet vraiment d'accrocher un quart de doigt. Mais en fait, eh ben, grâce à cette forme que je trouve extrêmement esthétique. Mais ce flingue est très, très esthétique, moi, je trouve. Hein. Eh ben, grâce... Oula. Putain, je me transforme en prof de français. Attends. Grâce à cette forme assez atypique et très esthétique, eh ben, on l'a vachement bien en main, vraiment. On est dessus. On est vraiment dessus. Et c'est vraiment très agréable, moi, je trouve. Alors, je vais extraire un peu. Alors, attends. J'ai l'impression que je suis pas trop mal, hein, attendez. Ouais, non, ça va. Hein. Alors, en revanche, il faut sincèrement que je me trouve un truc... Un truc pour dégager les douilles, parce que c'est chiant.
Mais bon, j'ai trouvé un bout de fil barbelé, je suppose que ça devrait aller. Effectivement, c'est un peu mou, hein, mais faut bon. Donc cette arme qui reprend globalement la tronche de son prédécesseur va devenir assez vite une star du catalogue de Remington. Ce qui fait que même de nos jours, sincèrement, beaucoup de collectionneurs connaissent la gueule du Remington Elliot. Alors, en même temps, on peut le confondre avec rien d'autre. Regardez-moi cette beauté, quoi, sans déconner. C'est beau ce truc, c'est juste beau. Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux variantes, une en 32, une en 22, et bref, tous les deux, le 22 étant le numéro 1 et le 32 étant le numéro 2. Voilà. Un petit peu de tir. Je suis pas trop mécontent de ce que j'ai fait là, franchement, hein, parce que avec une arme pareille, ça m'étonne même de toucher. Mais enfin bon, qu'est-ce que je vous dis, hein, je suppose qu'Eliphalet ou William sont avec moi quelque part. Ils doivent être en train de dire au bal, non mais vas-y, touche, qu'on n'ait pas l'air de corneau. Putain, je remarque quand même, à la tranche arrière du canon, enfin des canons, il y a un paquet d'abrutis qui ont dû s'amuser à tirer à sec avec cette merde. C'est ne tirez pas à sec les annulaires, ça les déglingue. Allez, c'est reparti, je vais essayer une main, tiens. Alors, il n'y a qu'un truc un peu désagréable, c'est que quand tu appuies, en fait, là, sur la poignée, il y a un ressort, et ce ressort bouge. C'est pas douloureux, mais j'aime pas. Alors attends, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, que j'étais très haut. Clic. Alors là, l'avantage, c'est que quand vous avez une munition qui part pas, bah vous vous foutez que ce soit un long feu ou pas, vous passez à la suivante, puisque de toute façon, même si la première part au bout de 30 secondes, bah, ma foi, vous en tirerez juste deux à la fois, hein. Ça, c'est pratique quand même. Alors, clic, je suppose. Oui. Alors, reclic. Ah, oui. Voilà, cette fois, elle est partie. D'où l'intérêt colossal de toujours avoir votre flingue bien comme il faut dans le bon sens. Parce que là, mettons que j'ai fait clic là ou pire ailleurs. Eh ben, j'étais mal et je prenais une 22 short dans la fif. Non, c'est vraiment très très drôle ce truc. Alors, je sais, il y en a parmi vous qui se plaignent quand je fais que du 22. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez pas me dire que ce truc est pas extraordinaire, franchement. Déjà, c'est une arme américaine, ça devrait vous plaire. Et puis, ensuite, c'est une arme ancienne, pour tu me marcher. Hein. Et puis, franchement. Je sais pas, moi je trouve ça funissime. Et le privilège de pouvoir tirer avec ça, surtout dans ce genre de petit calibre où généralement ils vieillissent mal, c'est pour moi, mais c'est excellentissime, quoi. C'est, imaginez les mecs, soit pour se défendre, soit dans les maisons, vous voyez de quoi je parle, soit dans les tripots, là, ils sont en train de jouer aux cartes, et là d'un coup, blam, ils se dégomment par en dessous. Alors je sais que ça doit être vraiment un très gros cliché. C'est probablement pas vrai, ça a peut-être jamais existé, j'en sais rien. Mais je sais pas, moi ça me rappelle ça, quoi. Alors, on va essayer de faire un petit peu de tir rapide. Clic ? Vraiment clic ou pas trop clic ? Ah non, pas trop clic, hein. Pas trop clic, il y en a une qui est pas partie. Après, comme je vous le disais, bah voilà, ce flingue a pas mal percuté à sec, visiblement. Et c'est pas impossible qu'à force, le percuteur soit un peu défaillant. On va essayer, alors attends, voir sur quel... Je sais plus du tout dans quel sens c'est censé tourner. Je suppose que c'est là, j'espère que je me plante pas, sinon je vais percuter à sec. Je me suis pas planté. J'ai vu un truc brûler. C'est bizarre. C'est très bizarre. Alors comme vous pouvez le voir, je viens de faire clic, mais je m'en tape une fois que le canon est ouvert. Bah voilà, il n'y a plus aucun risque. Non, non, c'est super drôle. C'est super drôle. Je pense que je vais finir la boîte à terme, là. Hein. C'est... Voilà, je vais être honnête avec moi-même, hein. C'est ce que mon psy me dit. Soyez honnête avec vous-même. Dites-vous les choses. Faites attention à votre santé mentale. Prenez des vacances. On va essayer à gauche. Alors, ça risque peut-être d'être un petit peu plus... Waouh. Ah, il monte pas super bien naturellement à gauche. Hein. Oula, oula, oula. À gauche, ça tape plus. Pas sur le côté faible. Pardon pour les gauchers.
moi la gauche, c'est mon côté faible. Clic. Ça, ça m'étonnerait, ça. Clic-clic ou clic-pas-clic? Ah non, 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 clic-pas-clic, hein, encore une fois. Ah, attends, je suis sur laquelle, là. Là, ça va redescendre, alors attends. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu casse-burette quand t'as envie d'en tirer qu'une. C'est qu'il faut voir. Pourtant, c'est marrant parce qu'elle percute, percute bien, hein. Elle a une super bonne percussion. Carré, d'ailleurs, c'est un percuteur carré. Ouais, faudra peut-être un jour que je le démonte, histoire de voir si je peux me faire un percuteur de rab ou pas. To be absolutely fair. Alors. Oh. Clic. Laquelle est partie, laquelle est pas partie. Ah merde. C'est même pas celle que je voulais faire partir, tiens. C'est vrai que généralement, une 22 qui veut pas partir, elle veut définitivement pas partir, mais bon. Non. Ouais, non, c'est beaucoup trop drôle. Alors. Il existe plusieurs types de finitions pour le Remington Elliott. Alors déjà, on notera évidemment les marquages typiquement américains sur deux lignes en petits caractères, machin tout. C'est très beau, moi je trouve. Les plaquettes peuvent être en caoutchouc durci, peuvent être en bois de rose comme celui-ci, peuvent être, j'en ai vu en os, je pense qu'il y en a eu en ivoire et en acre. En acre, si, en acre, je suis sûr parce que j'en ai vu. J'ai vu un exemplaire de Remington Elliott Derringer doré. Gravé avec des plaquettes en acre. Je pense pas que c'est été d'origine, sincèrement. Mais les plaquettes en ivoire, je ne suis pas sûr. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Il existe en nickelé, en argenté et en bronzé. A noter que la version bronzée, alors je ne sais pas si c'était déjà le cas à l'époque, mais de nos jours, la version bronzée est nettement plus rare que la version nickelé. Ce qui est bizarre, parce que généralement, c'est plutôt le contraire. C'est, très franchement, alors c'est pas le seul que je connaisse en France, mais c'est le seul que j'ai eu en main. C'est relativement rare, je dois admettre. De 1863 à 1888, il en sera fabriqué 25 000, tout calibre confondu. Ce qui est plutôt pas mal. 25 ans sur un marché aussi changeant que le marché de l'arme états-unien à cette époque-là, ouais, c'est bien, hein ? C'est bien. Alors, soit ils ont fait un petit peu d'acharnement thérapeutique sur la fin, soit c'est vraiment pas mal. Évidemment, j'ai pas les registres de vente de chez Remington, hein. Mais je pense sincèrement que c'est un bel exploit de la part de ce Remington Elliott Derringer New Repeating Pistol numéro 1. C'est vraiment très long. Les vrais noms des armes américaines sont souvent très longs, mais alors celui-là, faut admettre, il bat pas mal de records. Alors, je vous dis que c'est pas mal. Oui, d'accord, mais il sera très vite supplanté, écrasé, écrabouillé, feu de paillet par un autre Remington, par un autre Derringer, par une autre création de William Elliott, le double Derringer Over Under, que tout le monde connaît. Tout le monde le connaît, ce truc-là. Je n'en ai pas. En collection perso, j'en ai pas. Ça viendra. Très très probablement. Mais pour l'instant, bon, je peux pas vous le montrer. Enfin, si, en photo. Surtout que, oh putain, en 41 RF. Oh, Théma, putain. J'appelle Philippe vite, histoire d'avoir un kit. Mais bref, moi j'aime beaucoup ce truc-là. On va se refaire. Allez, j'ai décidé. On va se refaire, vite fait. 5 munitions. Avant de se dire au revoir, déjà parce qu'il m'en reste que 5 et que j'ai pas envie de ranger une boîte avec 5 munitions dedans, faut peut-être pas déconner. Enfin, à moins que ce soit du 50 BMG, quoi. Mais en plus, parce que, moi vraiment, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. On va de nouveau tester un peu de tir rapide. Elle est quand même, j'ai l'impression qu'elle est quand même bien truffée, ma fleur, là. Alors, j'espère que la caméra ne l'est pas, elle. Ça fait une fumée de ouf, ce truc, c'est dingue. Attention. Une fleur sauvage. Vite, abattons-la. Ah, cool. Ah, percute plus, mon bordel. Alors, pardonnez-moi deux petites secondes. Je pense qu'il est très légèrement dévissé. Ce qui fait qu'il ne percutait pas. Je pense que là, ça devrait mieux aller. Mais je n'en suis pas sûr. Auquel cas, bah, il retournera en atelier et on fera pas 5 coups. Attention. Un pissenlit. Taillon. Oh. Oula. Non. Non, à mon avis, il doit y avoir un petit truc crade. C'est pas très grave. Ça, je pense que je vais pouvoir le réparer en 2 temps 3 mouvements, n'est-ce pas? Voilà. Eh ben, écoutez, ça a été un mucho grand plaisir de vous montrer ce petit Remington Elliott. C'est vraiment... Moi, je trouve ça super cool. Vraiment, c'est cool.
Voilà, c'est cool comme Beef Gadget était cool dans les années 80. Je dis ça comme si j'avais connu, tu sais. Mais bon, voilà. Moi, je trouve ça très marrant. J'espère pouvoir vous représenter un de ces quatre des armes aussi marrantes. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous des légumes ? Oui, amusez-vous des légumes. Si vous voulez vous foutre de la gueule de courgettes, y a pas de souci. Bref, amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao ! Et pourtant, de 1863 à 1888, il en savent. Et pourtant, de 1863 à 1888, il en savent. Il en savent. Et pourtant. Amusez-vous des légumes ? Sérieux ? Putain, Adrien, t'es fatigué là. Hein ? Tu vas rentrer chez toi et tu vas aller dormir. Quand bien même il ne serait globalement que 7h15. Putain, 7h15 déjà. Allez, au dodo !